Alors Guy, voilà ton filtre, un petit mot d'explication là-dessus. Eh bien, j'ai un filtre à tambour de Vincent, un 35 ou un 38, je ne sais pas le volume à peu près, c'est un 35, avec deux bondes de fonte et un skimmer qui rentre du côté droit et ressort à côté gauche avec deux grandeurs 110 pour aller dans les tapis japonais. Qui sont 2 mètres cubes de tapis japonais. Et il y a aussi une troisième sortie qui est sur une pompe clean sheet qui va vers un lagunage artificiel, je vais dire, de décoration plutôt. Parce que ce sont des galets et il n'y a pas de puzzella ni de pierre de lave, rien du tout. En fait, c'est pas plus mal comme ça. Hein. Il y a un tout petit peu d'algues qui se forment. Parce que bon, il y a encore de l'eau qui est visible, mais bon, sinon, c'est moins d'entretien. Voilà, oui. C'est ça. Et puis, bon, quand les iris poussent, c'est quand même. Il y a moins d'algues de ce fait. Bon, ben, satisfait de ton filtre? Très satisfait, oui. Avec le nouveau filtre, je n'ai plus aucun problème. Parce que j'ai eu des problèmes au départ avec un premier filtre qui a été installé. Et qui ne m'a pas donné satisfaction. Le premier tambour, toi. Oui, le premier tambour, oui. Oui. Et les pompes et tout, ce sont les mêmes pompes qui sont restées. Il y a vraiment que le tambour qui a été changé. C'est ça. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Guy. Bonjour, Patrick. Alors, Guy, nous, ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on se connaît. Ben oui, il y a plus de 10 ans qu'on se connaît. Bon, alors ici, tu avais commencé avec un bassin, mais qui était beaucoup plus petit. J'avais un bassin de 15 mètres à 18 mètres cubes, 15 mètres d'eau et du lagunage avec de la puzzella à bord, qui a été construite en même temps à peu près que la maison, puisque les briques de paravent sont les briques de façade. Et j'étais satisfait. C'était des ites qu'il y avait, des chaubonkis et 2-3 koi. Le virus est rentré. La coyolette aiguë. Voilà, c'est ça. Donc, et puis en te connaissant, eh ben oui, de plus en plus de poissons à la fin. Les ites ont été débarqués, les chubunkis ont été débarqués. Et il y avait 15 koi pour 15 mètres cubes. Donc, ça devenait problématique. Surtout que c'était un filtre avec vortex et 3 chambres qui étaient à hauteur du chalet, au fond du jardin. Donc, c'était pas idéal. Ça revenait dans la puzzella qu'il fallait changer tous les 3 ans parce qu'elle était colmatée. Donc, d'où décision d'agrandissement. D'où la décision d'agrandissement. Maintenant, donc, on a agrandi à 38 mètres cubes. Et sur tes conseils, on m'a dit qu'il faut de la nage pour les poissons. Donc, j'ai 11,50 mètres de long. Dans la nouvelle partie, 2 mètres de large. Et l'ancienne partie, 2,80 mètres de large. Bon, ben, ça fait un bel ensemble. On voit pas la connexion, hein. Oui, oui. Et en plus, on est descendu à 1,40 m de profondeur avec des murs droits. Donc, j'ai 38 mètres cubes. Plus de paliers? Plus de paliers, non. Bon, t'as gardé quand même les nénuphars? J'ai gardé les nénuphars, oui, surtout pour mon fils qui aime bien les nénuphars. Parce qu'on me dit toujours, un vivier, il ne faut pas de plantes. Mais enfin, j'ai vu quand même qu'ils se sont amusés lors de la fraie de tout démolir. C'est ça. Alors, est-ce que tu constates un changement dans le grossissement de tes poissons? Oui, 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 bien sûr. Même les poissons qui étaient déjà là depuis 10 ans, ils ont quand même pris. Ils sont arrivés maintenant vers 70 cm. C'est ça. Alors, bon, donc, je ne t'ai pas raconté de salade. La longueur, ça fait quand même fait la différence pour le body et la nage. C'est ça, c'est ça. Bien sûr. Et en plus, de la bonne nourriture plutôt que de la nourriture quelconque. Je prends de la Nijo Grow ou de la Nijo 4 saisons et un peu de color qui vient de Ikari. C'est ça. Alors ici, toi, tu as fait un bassin en PE, donc en polyéthylène. Oui, c'est ça, qui a été fait par une personne spécialisée dans le bassin. Et on a changé le lagunage en puzzella par des galets. Aussi. Bon, celui qui t'avait conseillé ça, hein, pour ne pas le nommer, c'était le koi, hein, André Laurent. Oui, c'est ça. Oui. Donc, finalement, c'est une bonne idée d'avoir mis des galets au lieu de la puzzella. Ça, oui, ça, oui. Oui, c'est... Bon, enfin, bon, tu as quand même une longue expérience maintenant dans le domaine du bassin. Oui. Si tu devrais donner des conseils à, je veux dire, à un débutant, tu dirais quoi?
Ah ben, c'est surtout, au départ, la filtration, même avant de dire le volume d'eau et ce qu'on veut mettre comme poisson dedans, donc des coilles. Mais il faut bien savoir qu'un petit osseil de 15 cm va devenir 70, 80 cm. Donc il faut une filtration surdimensionnée au départ pour le volume d'eau, mais qui va automatiquement, dans les 4-5 ans, devenir à niveau pour la grandeur des coilles. C'est ça, donc il ne faut pas lésiner sur la taille du filtre. Du filtre. Et de la bio, hein, le filtre tambour, la bio qui suit, ça doit être disproportionné au départ. Et à la fin, 5 ans après, on sera juste pour ces poissons. C'est ça, alors bon, voilà. Poissons que toi, tu achètes un petit peu partout. Hein, tu en as, bon, chez les grands noms, hein, on ne va pas citer comme Kim, El Pacio, etc. Oui, c'est ça. Et en même temps, même chez Fournier. Quand ils font un IKEA et qu'il y a un poisson qui me tient à cœur, eh bien je l'achète là aussi. Fournier, poisson d'or, bah tout ça c'est l'un près de l'autre. Oui, oui, ça bien sûr. Et il y a maintenant Japan Koi qui est aussi près de là. Ah, Japan Koi, oui, Japan Koi qui sont très sympas, hein, qu'on a vu. Le Benigoi qui nage, c'est un Japan Koi. J'espère bien qu'il nage. Hein. Enfin Guy, voilà, bah, je pense que bah, tu es tranquille pour un bon moment, hein, j'espère en tous les cas pour toi. Et puis... bon, nous, de toute façon, on aura certainement encore l'occasion de se revoir, soit dans des journées spéciales portes ouvertes, et Dieu sait qu'il y en aura bientôt, ou bien alors au travers de Koi Show, ou bien de rencontres. Hein, voilà. Voilà, c'est ça. Et comme tu dis, bien se lâcher à ce moment-là. C'est ça. Ne soyons pas sages. Exactement. Ben voilà, tu as dit le mot de la fin. Écoute, merci encore à toi pour ton accueil, Guy. Et puis, surtout, soyez pas sages, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Salut à tous. Salut.